So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. À ce côté. Elasticus. Wouhou. Non, pas Flibendo. Wow. Il y a quoi à droite? Ok, est-ce qu'il y a un truc caché? Non, il y a que des fantômes. Sympa. Merci Grow. Je peux monter sur toi? Non, parce que il y a quand même un passage haut, c'est bizarre. Et alors, il doit rien avoir à part Madame. Revenez. Bon bah d'accord, revenez pas. Moi qui voulais être sympa. Non mais si je descends, je crois que je me fais culant. Oh. C'est la fin du cours. Y'a pas eu de boss. Non mais avance Harry. Ah oui, je crois. Ah putain, c'était chiant, hein. Bellefort, quoi? Je vous mets en B. J'ai un message. Quel enculé. Du professeur Rogue. Il veut vous rappeler à tous que le prochain cours de potions aura lieu bientôt et qu'il vous retirera des points si vous oubliez vos ingrédients. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Putain, il est encore plus petit que dans les jeux habituels. C'est un... Mais ouais, c'est même plus un nain, oui, ça, ce stade-là, c'est un lilliput, toi. D'accord, Quentin. Merci pour l'information. Que je ne retiendrai pas d'ici là, mais merci quand même. Mais... Prends-la. Ok. Curie. C'est comme le bordel chez lui. Non, elles sont coincées là-haut. Au chocolat. Ah, il faut que je ramène un livre au tableau d'affichage en fait. Oui, c'est vrai. Ça vous dérange pas que je casse vos pots un peu? Ah mais wait a second. C'est juste un trou comme ça. Harry, t'as entendu ce que le professeur Flitwick a dit? On doit trouver les ingrédients pour le cours de potions. On n'est pas fini. Le professeur Rogue, il ne veut pas se charger du cours de potions. Tout le monde sait qu'il essaie de prendre la place de Quirrell. Il en connaît un rayon en magie noire, ce Rogue. Je te retrouve chez Hagrid. Non, moi d'abord je retourne à la salle de commune. J'ai des affaires à faire, Ron. Mais je crois que t'étais parti, ok. Il m'attend à moitié finalement. Qu'il est sympa. Il est sympathique ce Ron. D'ivoire. Mais Donald, il est bien pour soigner. T'aurais pas dû l'éjecter. Putain, je sais vraiment pas où je suis là. Est-ce que je peux partir de là? Alors Ron, vas-y tout seul, moi je m'en fous. Chacun vit sa vie. Je vais ramener le livre à je sais pas qui. Ça, on aura des points pour Gryffondor.
Quand vous refusez que je... Mais je suis sûr que c'est l'autre qui squatte. Il squatte l'escalier pour pas qu'on monte. Mais oui, il est à l'entrée du truc. Casse-toi, Ron. T'empêches l'escalier d'avancer. Voilà, merci. Oh. Il y a juste la baguette qui tourne, c'est trop bizarre. Oui, oui, oui. Allez, monte. La 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 la. Casse-toi. Bon, ça c'est déjà fait. Le mot de passe. Caput. Le mot de passe. Alors, deux petites secondes. Non, le tableau d'affichage est là. Vraiment? Oh non, c'était par rapport au jour? Ou alors c'est peut-être plus tard, mais what? Tellement pas juste. Ah, t'es bien, shérif, hein. Affreux, on vomit. Allons voir Hagrid, c'est quelle heure? Ok. On va finir ce jour-là, je pense, si j'ai le temps. Ça va, touche enchaîne. Touche enchaîne. Ron. Oh. Elasticus. Mec, t'es bien pour le mode expert là. Je pense que t'es prêt. Hein. C'est Rogue. Coucou. Monsieur Potter, dites-moi, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Je ne sais pas, monsieur. Navrant. À l'évidence, la célébrité ne fait pas tout, n'est-ce pas, monsieur Potter? J'ose espérer que vous avez trouvé tous les ingrédients que je vous avais demandé. Je n'aimerais pas avoir à vous retirer des points. Ça, c'est une scène importante du film ou du livre. Qu'ils ont pas remis dans l'opus PS1, mais qu'ils ont mis là. L'opus PS1, vraiment, c'était genre parodie de lui-même, quoi. Au moins, ils se sont rattrapés sur celui-ci, qui est sorti normalement après PS1. Mais Ron, tu cours beaucoup trop vite pour moi. Surtout qu'il a pas l'air de courir si vite que ça, hein, par rapport à Harry. Et what? Ouais, un peu. Hagrid! Espèce de gros ours. De gros balou. Est-ce que tu veux que je te fasse un... Elasticus?
Allez, Grid. Un peu plus à... Voilà, parfait, sur Grid. Hagrid, vous qui savez tout des créatures magiques, pouvez-vous me parler de ce chien au troisième étage? Non, il a découvert le chien. Vous avez vu Tofu? Tofu? Il est à moi. Je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un pub l'année dernière. Je l'ai prêté à Dumbledore pour garder... Garder quoi? Hein? Rien du tout. C'est un secret point final. Alors oubliez ce chien et oubliez... Fallait pas commencer. C'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Nicolas Flamel? Ce nom m'est familier. On l'a déjà vu dans la PS1. J'aurais jamais dû dire ça. Je pense que vous feriez mieux de trouver vos ingrédients avant la nuit. Très bien. Et est-ce que la hache va m'aider? Non, je crois pas. Pourquoi c'est pas marrant? Je peux pas rentrer chez toi, je peux pas tuer ta hache, mais je peux faire quoi finalement? Mais est-ce que c'est chez toi qu'il y a les ingrédients? Retrouver Ron à la cabane de Hagrid. Finir la journée. Ron. Il n'y a plus rien à faire. Oh bah s'il n'y a plus rien à faire... Pourquoi rester? Non mais... Oh, des fois il y a un peu trop de menus. Est-ce qu'on commence à se faire défoncer niveau point? Des points pour Gryffondor. De quoi? Y a pas... Les textes sont pas en français? Comment ça se fait? C'est plutôt pour les derniers opus, non? Mais pour le premier, normalement, il est en français. Enfin, pour le premier. Pour le jeu de base, il est en français, normalement. Après les mises à jour, j'en sais rien. Normalement, le jeu de base est en français, j'ai vu des vidéos sur ça. Ah non, pas que j'ai de la peine avec de l'anglais, mais je sais pas, c'est dommage si les gens me regardent et que ce soit pas en français, quoi. Et puis j'ai pas envie de me faire chier à traduire à chaque fois. C'est déjà Halloween? Allons à la grande salle! Mais attends, mais mes dragées! Au chocolat! Chaque jour! Plus de dragées! Donc plus que 10 pour acheter une bourse plus grande. D'accord, bah, nous verrons. Vous crottez de nez. Ça sert à rien que j'aille chez eux maintenant. Non, ça m'intéresse pas d'avoir d'indices. Non, je rigole, bah vas-y, ça fait... si ça peut te faire plaisir. Voilà, j'avais soif. Mais même cette merde se balade ici? Ah non, c'est Peeves! Ah, c'est chiant! Allez, Harry! Dépêche-toi! Oui, bah, Loriam. Mais c'est normal. Si c'est le dernier artwork qu'il y a avec la mise à jour, c'est normal qu'on le voit. Pouti 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 pouti.
Allons à la salle des banquets. Si c'est bien là qu'il faut aller. D'accord. Oui, je ne connais pas ce dont tu parles, Ravi. Mathilde a dit qu'elle s'était enfermée dans les toilettes des filles au deuxième étage et qu'elle y avait passé tout l'après-midi à pleurer. Un troll dans les cachots. Un troll dans oh les cachots. Oh non. Attends, on est vraiment comme dans le film. Je voulais vous prévenir. Silence. Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement. Les préfets vont ramener leurs condisciples dans leurs dortoirs respectifs. Les professeurs vont m'accompagner jusqu'au cachot. Au fait, Hermione. Quoi, Hermione? Elle n'est pas au courant pour le troll. Oh mon dieu. Rogue. Je me casse discrètement. Personne ne m'a vu. Du coup, bah, deuxième étage. On va aller sauver Hermione. C'est parti. Deuxième étage. J'en sais rien. Il paraît qu'ils sont complètement idiots. Tu sens cette odeur? Le troll a quitté les cachots. Il est dans les toilettes des filles. Ah, il est dans la toilette des filles, je confirme. Hein. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Range ta baguette, Harry. Range ta baguette. Kieron, tu pourrais peut-être te dépêcher. C'est... Ah, non, il est bien prendre là. Au chocolat. Moi je prends mon temps, hein. Hop! Flipendo! Curie! Hop! Flipendo! Au pain grillé! D'accord, très bien. Flipendo! MDR! Wow! Flipendo! Je te calme, petit lutin. Si ce troll frappe le symbole d'Elasticus, il sera assommé. Mais seulement si tu l'esquives au dernier moment. Pas besoin. Il y a toujours ces pauses de 5 minutes. Comment ça? Tu veux dire ça charge en boucle et tout? Baisse la qualité au pire. Une carte de sorcier. Ça doit venir de ta connexion. Carlotta Pinkstone fit campagne contre le code secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers pour révéler aux non-magiciens l'existence des magiciens. Mademoiselle Pinkstone fut emprisonnée pour utilisation publique de la magie. La pauvre. Bon, elle doit tuer du coup. Harry ne peut pas choper. De toute façon, avant le 5, je crois pas que Harry s'intéresse vraiment aux meufs finalement. Sans compter Ginny, bien sûr. Ta 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 ta
C'est là les toilettes? Non. C'est là les toilettes? Oui. Baron était devant en fait. Tu es un athlète, Harry. Tu es une omelette, Harry. Oh, pourquoi un zoom sur son bit? Oh là là. Hermione, sauve-toi! Alors, comment ça se tue un troll déjà? Il est où déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ron! Ah! Oh, what the f... Alors, attends. Ah, d'accord, il y a des trucs là. Elasticus dans. Ah oui! Lance un Elasticus sur une zone marquée de son sein. Ah, pas mal. De pousser le troll à te frapper. Ok, je me souviens. Elasticus! Frappe! Non, mais. Harry, essaie de pousser le troll à frapper ce symbole d'Elasticus. Sa massue rebondira et se retournera contre lui. Voilà. Non, 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 laissez-moi tranquille! Allez, Harry, il s'affaiblit! Allez, Harry, va faire pipi! Elasticus! Allez, Harry, il s'affaiblit! Ouais, mais il court toujours aussi vite, hein! C'est chiant parce que sa massue, elle est. Mais il est pas assommé du tout là. Va pas trop proche. Voilà, là il va se choper. Non. Oula ma vie. Attends, Flipendo sur sa gueule ou comment? Non, je peux rien faire, absolument rien faire, je suis obligé. Aïe, ça fait très très mal. Ah, oh, pourquoi je suis à Lumos? Mais faut vraiment. Allez, elle frappe! Eh merde! Genre, ça compte pas! Mais genre ça compte pas. Mais mec, c'est hyper chiant d'être précis. Voilà, faut que je me mette sur le... Enfin non, c'est dur à se mettre sur le truc. Ou peut-être que si... Ah si si si. Ouh. Ah non, je sais ce que je vais faire. La 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 la. C'était tellement violent. C'était tellement violent. Ah. Oh là là. Viens. Voilà. Tararata. Ah. Il est dedans. Oh, putain. Wouhou. Ah, y'a des coffres là-haut. Ah, dégage. Ça marche, Quentin. Tant mieux. Ah putain, mais quand j'arrive. Non, 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 non. J'ai tellement pas signé pour ces conneries. Des
bombes à bouse. Des bombes à bouse. Ok, ok, ok. Elasticus. 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 Mais il va vite, ce con. Et il frappe jamais au bon endroit, ce con. Ah, il y était. Ah, mais il a frappé dessus, en fait. Wouhou. J'ai failli me faire culer en même temps, quoi. Ouais, mais moi aussi, encore une fois, et ça suffira. Mais qui suis quoi? Yes! We did it! Il est mort? Je ne crois pas. Et la baguette dans le nez. C'est dément! Oh, le petit clin d'œil! C'est dément! Y'a pas la baguette dans le nez, je peux pas le faire moi? Ah, dis donc, Ron, on a failli crever quand même! Tu te rends pas compte? Une carte de sorcier! Limite, il se passe plus de trucs la nuit que le jour dans ce château. Bon, c'est normal, hein. Célèbre pour avoir tué le serpent de mer de Cromer. De Cromer. 1677-1761. Wow. Je crois. Bon, là je suis déjà allé de toute façon. Si je tombe, je crève ou non, ça va. Oui. J'ai cru que j'allais recommencer le boss, ça aurait été. Pas très cool. Non, là c'est le côté où je suis déjà allé. Oh, là-bas il y a un. Là-bas. Hop. Wouhou. Mais. Plus haut que ça. Ouais, Wasted, vraiment. Wouhou. Voilà. Wasted. Ah. On a chest. On a quand même failli l'oublier. Une carte de sorcier. Et c'est qui? Curley Duke. Guitariste solo dans le célèbre groupe Bizarre Sisters. Oh, Sisters. Oh, les Bizarre Sisters. Aujourd'hui. Je suis devenu fan de ce groupe depuis aujourd'hui, je les connais depuis aujourd'hui. J'ai deux membres du groupe. Putain, mais c'est de la merde. Du coup, il y a encore où aller là-bas. Level 1 sur Harry Potter, allez. Maintenant son niveau, il y en a plus. Ok, bon, toujours bien d'avoir des bombes à bouse. Non. Pam, 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 pam. Wouhou! Une pâte à citrouille. Trop bien. Ah, oh, il y a encore un coffre là-bas. Wouhou. Mais ouvre-le. Ah, deux barres de vie. C'est chisé d'avoir deux barres de vie quand même. Le jeu est connu pour être plus dur que les autres, on dirait. Je sais pas. Allez, barrons-nous. C'est par là ou c'est... J'ai vu Hermione autre part. Genre là. Oui, ils sont là en fait. Ouais, on a rien fait du tout. On n'a pas démonté les chiottes pour Hermione. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est ma faute, professeur McGonagall. Miss Cranchet.
J'étais partie à la recherche du troll. J'ai lu plein de choses sur eux. Je croyais pouvoir m'en occuper toute seule. Mais j'avais tort. Si Harry et Ron ne m'avaient pas retrouvée, je serais morte. Mytho ! Quoi qu'il en soit, c'était complètement idiot de faire une chose pareille. Je me serais attendu à une attitude plus raisonnable de votre part. Vous me décevez beaucoup, Miss Grange. Non. 5 points seront enlevés à Gryffondor. 5 points pour manque de discernement. Quant à vous deux, messieurs, j'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue. Peu de première année auraient été capables de combattre un troll des montagnes adultes et en sortir vivant. Tu m'étonnes. 5 points seront accordés à chacun de vous pour votre chance insolente. Partez maintenant. Donc on en gagne qu'un. Vous pourrez se réveiller. N'empêche, ça doit être frustrant pour l'actrice, enfin la doubleuse de... McGonagall. Sa part de nous tirer d'affaire. Ouais, d'accord. Parce qu'elle doit dire Miss Granger dans les films et Miss Granger dans les films. Merci. À quoi ça sert, les amis? Je suis vraiment. J'étais sûr que t'allais dire ça. Je vais me coucher. A plus. Et Hermione, tu sais, ça fait longtemps que je voulais te dire un truc, mais. Flupendo. Elle la regarde même pas. La regarde même pas. Il s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Du coup, la soirée est finie. Bah, parfait. Terminons la nuit.